Voilà, frères et sœurs, ça qui fait la beauté de cette réunion, c'est la présence du Seigneur. Les bons ce matin, écoute bien la parole de Dieu, réfléchis, soyez honnête envers Dieu, c'est ça la foi, hein? Honnête envers Dieu, c'est la foi. Nous pouvons lire dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 5, le verset 1er. Demande-Dieu de vous écouter bien, réfléchis bien, prendre conscience à la bonne parole du Seigneur. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, le verset 1er, j'espérais que je vais me trouver. Dis bon, nous notons ce que nous trouvons ce matin et nous réfléchissons à ce que nous vous tendez aussi. Amen. La Bible dit à nous, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ses barques qui était à Simon, se pria de s'éloigner un petit peu de terre, puis l'assise dans la barque et l'enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il fit dire à Simon, « Avance en plein eau et jette le filet pour la pêche. » Simon fit répondre, « Maître, nous faisons travail toute la nuit sans rien prendre, mais l'autoparole, je vous jette le filet. » L'ayant jeté, nous faisons prendre une grande quantité de poissons. Quand le filet est rompu, amen. Ce matin, écoute bien ce que je vous dis ce matin. Tiens dans l'équerre. Dis, Seigneur, ça ferait là pour presser. Mais toi, tu fais-moi comprendre, Seigneur. Mon pain n'a établi pour faire comprendre. Mon établi pour presser, moi. C'est lui qui fait comprendre, c'est Dieu. Amen. Et quand Dieu fait comprendre, pain n'a rien. Parce que Dieu est parfait. Lui. Prions le Seigneur un moment. Notre Père et notre Dieu, permette-nous ce matin, Seigneur. Mouillez-moi devant toi. Parle de toi dans toute humilité, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Gloire à Dieu. Permette-moi pour parler de toi, Seigneur. Dans toute humilité, Seigneur, ce matin. Fais-nous la grâce, Père. Au nom de Jésus. Amen. Écoute bien la parole de Dieu, frère. En écoutant la parole de Dieu, il est bon qu'il nous réagisse dans notre cœur. Dieu servit la Bible pour causer avec nous. Nous nous servit la prière pour répondre. Il y a une conversation entre nous et Dieu là. Dieu servit la Bible pour causer en haut. Ou servit la prière, répondre dans haut l'équerre. Il y a une réaction. Ça pour faire du bien ce matin. Quand un malheureux criait, bon Dieu, attendez ça. Ça souvent des enfants qui vont arriver à vous attendez ce matin. Donc écoute bien la parole de Dieu et réagis positivement. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Comment Jésus trouve l'île de Génézareth, lac de Génézareth, la foule, sa présence, sa position, Jésus lui-même. Comment il trouve l'île au bord du lac de Génézareth. La foule fut motivée. Motivée pour écouter la parole de Dieu. Motivée pour venir en présence de bon Dieu. Motivée pour écouter ce que bon Dieu n'a pour dire. Tout simplement. Écoute bien, frères et sœurs. Et réfléchis. Si ça même Jésus au bord du lac là, il trouve dans nous la vie maintenant, est-ce que nous ici nous pas pour motiver? Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus trouve dans moi la vie, il a une motivation maintenant. Motivation de Dieu. Parce que dans la vie qu'il nous fait vivre aujourd'hui, il n'a décaité motivation. Il a motivation matérielle et la motivation spirituelle. Bien souvent, des fois, nous motiver pour travail, nous motiver pour un loisir, nous motiver pour l'argent. C'est vrai, c'est la vie. Nous motiver pour nos business, nous motiver pour nos travaux. Beaucoup qui se motivent, nous. Ça, ce sont les choses matérielles. Mais est-ce qu'il y a une motivation spirituelle? Vous motiver pour écouter bon Dieu causer. Vous motiver pour m'en sortir bon Dieu. Vous motiver pour compter à mon prochain. Vous motiver pour pardonner. Vous motiver pour faire ce qui est bien. Et vous motiver pour faire la volonté bon Dieu. Est-ce qu'il y a sa motivation dans nous la vie? Et pour nous honnêtes, si nous motivons matériellement, c'est pour un temps ça. Mais motiver spirituellement, c'est la vie éternelle. C'est pour toujours ça. Donc ce matin, réfléchis.
il a sa motivation là. Mon motivé aujourd'hui dimanche, hein? Depuis grand matin, mon motivé, écoute, bon Dieu, causé. La foule, la Bible dit à nous. Comment Jésus troulé à Genézaret? La foule fut motivée, pressée pour tant de bon Dieu causé. C'est merveilleux. Si ça même, Jésus, dans mon avis, il a une motivation spirituelle maintenant. Pas besoin de dire moi lire la Bible. Mon motivé pour lire la parole de Dieu, parce que Jésus est en moi. Mon motivé pour pardonner mon frère. Mon motivé pour vivre la fidélité. Mon motivé pour partager, pour supporter une motivation spirituelle qui dégage dans mon avis. C'est sûr et certain, ça. La preuve. Pour cela, il est bon d'examiner la vie ce matin. Est-ce qu'il a sa motivation spirituelle là? C'est la motivation spirituelle, veut dire nous vivons. Vivons pour le Seigneur, hein? Pour rentrer dans le détail. Je vais expliquer quelque chose. Jassé. Pardon. Jassé, c'est un homme qui toujours est motivé pour faire ce qui est mal. C'est une motivation dans la vie, Jassé. Il est motivé seulement pour faire quelque chose qui n'est pas bon. La guerre, coquin, cause mentir, faire du mal. Une motivation pour faire le mal, malheureusement. Mais quand Jassé finit de recevoir Jésus, à toi de descendre pour demeurer aujourd'hui dans ta maison. Jassé continue motivé, mais sa motivation sensée. Maintenant, il est motivé pour pardonner. Il est motivé pour compter en son prochain. Il est motivé pour partager. Il est motivé pour persévérer. Il est motivé pour faire des bonnes choses dans sa vie. Quand il recevra Jésus dans son cœur, à toi de descendre pour deux. Mais ça même, Jésus demeure dans nous la vie. Puis il y a une motivation spirituelle. Pose-nous-mêmes la question ce matin. Est-ce que mon sentiment motivé pour prier? Ou ça m'a prié par devoir? On prie parce que moi, je suis chrétien. On prie parce que j'ai besoin de prier. Puis il y a sa motivation là. Est-ce qu'ils m'ont motivé pour une église? Moi, l'église parce que j'ai besoin d'aller. Une formalité, ça vient de l'église. On pardonne mon prochain parce que tu as dit besoin de parler. Puis il y a sa motivation là. Ça vient de dommage dans nous, la vie, ça. C'est nous qui vous perdons. Tandis qu'il y a une motivation. Parce que pour manger, personne ne peut pas dire nous manger. Nous motiver pour manger, pour boire, pour dormir, pour l'argent. Ce n'est pas une motivation naturelle, ça. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend qu'il nous motive naturellement. Aujourd'hui, on vous a prié, on vous a loué le Seigneur. Frère, ça pouvait nous du bien. Mon motivé pour écouter bon Dieu causer. Dieu cause en moi. Normalement. Mais si vous n'êtes pas motivé pour écouter bon Dieu, ou même dans la case, ou un enfant, ou madame, peut-être malheureusement, ou monsieur, pas intéressé pour écouter, vous ne risquez pas de causer en eux. Vous causez du monde qui est intéressé, écoutez tout causer. Mais nous motiver pour écouter bon Dieu causer. Dieu causer, frère. Pas seulement dans l'église, hein, que tout était dit causer aux autres. Pas intéressant, ça. Mon motivé pour moi, ça, bon Dieu, Dieu m'en sort moi. Tout ça, ça, vous avez réfléchi ce matin. Là, des fois, beaucoup de personnes rôdent bon Dieu seulement dans l'église, ou dans la prière, ou dans le rayon. Non. Dieu, il est partout avec nous. Dieu n'est pas temporairement avec nous, lui. Il est continuellement avec nous. Dans tout ce qu'il nous fait. Donc, il a sa motivation à ce matin. Pose-nous la question ce matin. Seigneur, peut-être m'ont motivé pour beaucoup de choses. Ne pas motivé, Seigneur. Frère, me donne une dernière raison. Tout le monde souhaite poil dans le ciel. Tout le monde souhaite dans l'enterrement, dans une grande, grande parole. Ce n'est pas méchant. Mais est-ce que vous motivez poil dans le ciel? Vous montrez sa motivation là. Vous motivez, moi. Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu au Israël. Est-ce qu'ils m'ont motivé? Ne pas motivé poil dans le ciel, c'est moi nous l'aide dans le ciel. Pour difficile. Donc la terre guette nous la mort, ça. Quand nous sommes au travail, nous motivons pas la case. Et, on a un transport, on a un moyen. Nous motivons, c'est normal, c'est naturel. Nous motivons pas dans nous la case terrestre. Nous réussirons la case. Mais nous ne motivons pas dans nous la case céleste, là-haut. Nous ne montrer cela. Comment Dieu peut recevoir nous, bons et fidèles serviteurs, en dans la joie de ton maître? Ce qui nous motive pour aller vers Dieu, nous montrer sa motivation là. Je connais Dieu finir son peuple dans les cibles. Avec sagesse, Dieu pas fait une pause peuple là dans la terre promise. Dieu finir son peuple dans les cibles, laisse aller mon peuple.
afin qu'ils entrent dans la terre promise. Dieu ne tient nous dans le monde. Nous devons avancer pour rentrer dans le royaume de Dieu. Nous pas avancer, c'est moi nous les rendre dans le ciel. C'est nous qui sommes perdants. Donc Dieu met nous devant nos responsabilités ce matin. Seigneur, mette sa motivation dans mon équerre, Seigneur. Motivé. Si jamais un jour nous lisions fermés l'eau la terre, les pouvaient dans le royaume de Dieu. Ça c'est sûr et certain. Donc, la poule se pressait pour entendre la parole du Seigneur. Qui nous capable de nous donner une motivation pour vivre l'amour, pour vivre quelque chose de bien. Maintenant, nous sommes honnêtes, soyez honnêtes envers Dieu, ou même dans l'équerre. Pour nous vivre quelque chose, il faut nous recevoir. Nous recevoir l'éducation, ça permet de nous connaître, qu'on écrire, ça montre que nous recevons l'éducation. Mais pour nous vivre l'amour, il faut nous recevoir l'amour de Dieu, pour nous vivre cet amour. Pour nous vivre la paix, il faut nous recevoir la paix, ensuite nous vivre la paix. Mais nous ne recevoir comment nous vivre. Dans l'angoisse, désespoir. Donc c'est à nous de réfléchir ce matin. Connais-moi merveilleux ça, la paix de Dieu. Si elle passe toute intelligence, ça. La paix pour dormir, la paix pour travailler, la paix en mangeant. La paix, c'est merveilleux ça. Coûte plus lourd qu'il aura dans ça, la paix de Dieu. Mais est-ce que nous recevons la paix pour vivre cette paix? Aujourd'hui, frères et sœurs, avec tristesse pour dire cela, beaucoup de personnes encore m'asinent dans un bon moment de passé. Tu te rappelles, nous passons un bon moment à telle place, nous passons un bon moment. Qui fait nous asinent ça? Parce qu'il est rare dans un bon moment. Il est tellement rare, nous encore m'asinent dans un bon moment que nous passons l'eau la terre. Mais dans le ciel, tous les jours, il y a un bon moment. Et ça nous prépare pour nous, ça, je te connais. Est-ce qu'il nous motive pour aller dans le ciel? Nous la vie, nous la mort, démontrer, hein? Nous persévérer. Jésus dit, pas ça qui dit, Seigneur, Seigneur, qui est pas avec moi. Mais c'est le ciel qui fait la mon volonté. Est-ce qu'il nous motive pour faire volonté, mon Dieu? Volonté, mon Dieu, pas facilement dans l'église, hein? Partout que nous étions, nous sommes prêts pour faire volonté, mon Dieu. Et sa volonté-là permet plein de jours pour avoir Jésus dans le ciel. Que ce ciel est certain, pas si pour l'Angleterre, pas si pour l'Amérique. C'est que si c'est certain, jour nous inquiète la terre, que pour aller. Le Seigneur peut attendre chacun d'entre nous. Ce matin, mettez sa motivation à la moléquée, Seigneur. Mettez sa motivation là, Seigneur. Permettez qu'un jour, comme on disait, fermez l'eau la terre et ouvrez dans le ciel, Seigneur. Amen. Jésus, tu avais pressé, le peuple est motivé. Et il est bon, cette motivation, elle vient de Dieu. Frères et sœurs, écoute bien encore la parole de Dieu ce matin, parce qu'on est un peuple intelligent, on a l'Esprit de Dieu. Jésus dit, comme on venait, mon père attire tous les hommes à moi. Est-ce que nous sommes attirés par Dieu? Au moins nous revendiquer. C'est moi attiré par mon plaisir, moi attiré télévision, moi attiré manger, boire, l'argent, mais mon pas sentiment attiré. Honnête, c'est moi, ça voudrait que tu attires moi ici, Seigneur. Je vais mettre moi à ton porté, je ne connais pas digne, je ne connais aucune qualité, je ne connais aucun mérite. Mais pitié de moi, tire-moi pour une vie. C'est merveilleux ça. Ce n'est pas les hommes qui attirent nous là, c'est Dieu qui attire nous. Ce n'est pas merveilleux ça. Et moi, ce qui m'a fier ce matin, c'est Dieu là au milieu de nous là ce matin. Ce n'est pas merveilleux? Et ça fait nous du bien. Donc, la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Quand Dieu finit d'adresser à la foule, frères et sœurs, il y a des grandes choses qui finissent passer. Un moment merveilleux, extraordinaire, et ça fait une motivation, il y a beaucoup de respect, de crainte pour le Seigneur devant la parole de Dieu. Il est bon qu'il nous écoute bien cela et nous réfléchisse l'importance de la parole du Seigneur, ça que Dieu finit dire à nous ce matin. Pressé pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi, frères et sœurs, est très importante pour montrer nous. Jésus fait une troulée au bord du lac de Génézareth. Écoute bien, soyez prudents, soyez sages ce matin. Quand Jésus fait une troulée au bord du lac de Génézareth, il fait une choisir deux barques qui étaient à Simon. Le choix lui vient de Dieu, ça. Écoute bien ce matin, peuple de Dieu. Le choix, très important pour chacun d'entre nous. Peut-être nous choisir beaucoup dans la vie, nous avons beaucoup de choix. Mais si nous choisir pour marcher avec Dieu, pour suivre Dieu, écoute bien, frères et sœurs,
parce qu'ils ont un peuple très intelligent. Ils vont choisir pour moi, ça va être Dieu. Vous pouvez aller là au chemin, vous remarquez quelqu'un peut suivre vous. Vous tournez vers la personne, vous êtes bien, vous suivez moi-même là. Vous réalisez, continuez sur vous. Vous dites, allez, finalement, qui fait de suivre moi? C'est une raison. Qui fait de suivre moi? Mais nous pouvons suivre bon Dieu ce matin. Dieu pose nous sa question là. Qui fait de suivre moi? Qui vous répondez? Allez, bon, réfléchis. Dieu pose nous la question. Qui fait de suivre moi, garçon? Qui fait de suivre moi, fille? Qui fait de suivre moi? Là, nous réfléchis. Il a dit à mon suivre, toi, parce que tu as guéri moi, pas l'intérêt. Si je ne te guéris pas, toi, tu me suis moi. Mon suivre, toi, parce que tu bénis moi. Et si je ne te bénis pas, toi, tu me suis moi. Mon suivre, toi, parce que tu as pouvoir, mon bon besoin. Mais si je ne te fais ça pour toi, est-ce que tu me suis moi? Si je te protège, toi, je veux dire, pas l'intérêt. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là. Pour ça, si on t'écoute bien la parole de Dieu. Maintenant, je tourne vers vous, madame, vers vous, monsieur. Dis à monsieur là, qui fait vous, madame, peut suivre vous? Dis à madame, qui fait peut suivre vous? Madame, dis à moi, peut suivre. Tu as de loin de toi pour rester. Tu as de moi manger, boire, robe, linge, l'eau, moi. Monsieur, pas pour apprécier. Mais si tu viens, pas donner ta robe. Pas donner ta linge, tu arrêtes suivre moi. Tu arrêtes là. L'inverse, c'est pareil. Monsieur, qui fait toi suivre moi? Tu es bon manger. Tu es sérieux dans la case. Mais il y a l'intérêt. Ça va le message à nous, pas trop, trop faire nous du bien. Et c'est le message qui relève nous là. Quand Michel a dit à son madame, qui fait-toi suivre moi? Parce qu'il me contente. Nous suivons le Seigneur parce qu'il nous contente, bon Dieu, frère. Pas par l'intérêt, c'est par amour. Qui fait Dieu vient sauver nous? C'est par amour. Nous ici, Seigneur, déverse l'amour là, l'amour l'équerre, Seigneur. Permets-moi de poursuivre toi par amour. Nous parlons très, très loin, ce qu'il y a dans le ciel, nous parlons ça. Quand il y a l'amour. Et c'est pour ça que Jésus dit dans les derniers jours, l'amour plaisir un homme pour effrayer. Faire attention, frère. Mais celui qui compte en bon Dieu sera toujours dans le ciel avec lui. Amen. Maintenant, nous arrêtons là. Quand Dieu dit qu'il compte en nous, Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. Il arrête là, dit. Et la preuve. Et la preuve. Il y a un grand matin soleil levé pour tout le monde, ça. Parce que sur l'assemblée Grande Rivière, il y a un soleil. Tout le monde a un soleil. Il y a une preuve que Dieu compte en tout le monde. La pluie tombée à Maurice, pas seulement Grande Rivière, il y a la pluie. Tout le monde a la pluie dans Maurice. Une preuve que bon Dieu compte en tout le monde. Nous pouvons respirer ce matin. Une preuve que Dieu nous aime. Mais pour nous aller dans le ciel, nous n'avons pas besoin de soleil, la pluie. Nous avons besoin de Jésus pour aller dans le ciel. Et Dieu finit de nous Jésus. C'est lui qui est dans Jésus, dans la vie. Mais il est dit, prouver qu'il est content. Mais au cas où, bon Dieu, content, bon Dieu. C'est très sérieux ce que nous voulons dire ce matin. Bon Dieu, mon content, bon Dieu, est-ce qu'il est au cas prouver? Dieu donne-nous l'occasion pour prouver. Si nous disons, nous content, bon Dieu, Dieu preuve que Dieu est devant nous, aimez-vous les uns les autres. C'est sa preuve. Comment Dieu compte en moi, compte en nos prochains, pareil. C'est une preuve d'amour, ça. Au comptant mon Dieu, ça donne-moi la force pour compter mon prochain. Comptant les uns les autres. Si nous ne sommes pas capables aussi, nous sacrins, nous tristes. Seigneur, mettre cet amour dans mon cœur. On l'éprouve, toi. On va les dire, mon content, toi. On l'éprouve que mon content, toi. Aimez-vous les uns et les autres. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, ça. Donc, à montrer, un petit zèse, un petit mouvement, un petit causé, ça fait du bien. Et en retour, Dieu bénit-nous abondamment. Amen. Ce qu'ils ont quoi cela ce matin-là? Du bien. Donc, Jésus de Nazareth vient choisir la banque de Pierre. Il demande Pierre pour éloigner un petit peu de terre, puis les passer dans la banque et pour enseigner. Frère, pour Jésus rentre dans la banque de Pierre, il s'est éloigné. Pour Jésus trouver dans nous la vie, dans nos foyers, il s'est un certain éloignement. Éloignement du péché, du mal. L'impureté, l'impudicité, bien éloigné. Mais nous pas pour capable éloigner. Qui fait Pierre qui a éloigné? Pour ça, vous demandez pour écouter bien la parole de Dieu. Mais comment Pierre finit éloigné? Vous connaissez comment Pierre finit éloigné? Parce que Jésus finit ordonné. C'est ce que nous avons besoin de dire, Seigneur, ordonne-moi ici pareil.
tu nous donnes bien pour éloigner. Oh, donne-moi, Seigneur. Quand la parole de Dieu est prononcée, il a la vie dans sa parole-là. Oh, donne-moi, Seigneur. La manque qui ne soit pas agréable à toi, et là et moi, de la colère, l'amertume, la jalousie, calomnie, mais éloigne-moi de ces choses, Seigneur. Dieu n'a pouvoir pour éloigner. Parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu, ça. Quand Dieu a donné, la chose arrive, ça. Dieu finit de donner le ciel, la terre finit de créer. Pense aux paroles, ça. Au donné, Seigneur. Pas moi-même ou pas pour capable, mais au donné que mon capable vivre et mort selon ta parole. Dieu bénit abondamment. Amen. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu nous fait du bien. Mais si nous pas écoutons, malheureusement, c'est nous qui passons à côté de la parole du Seigneur. Quand Jésus fit nous ordonner Pierre pour éloigner lui de la terre, Pierre fit obéir, fit éloigner lui de la terre. Il y a beaucoup qui se nous éloignent, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est la parole de Dieu, ça, hein? Mais pas nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, donne-moi la force, Seigneur. Moi-même, je ne suis pas capable, moi dans la chair, moi aussi faible, moi aussi fragile. Ordonnez, Seigneur. Je ne suis pas capable d'obéir. Quand Dieu a ordonné, il n'y a pas pour glorifier nous, mais pour glorifier le Seigneur qui nous ordonne cela. Amen. Un jour, Jésus, dans un mariage, ce moment dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus dit à femme, qui n'entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce moment dit à une serviteur, fais ce que Jésus dit à toi de faire. C'est la foi, là. Il y a une réponse négative, mais il y a la foi. Faire ce que Jésus dit à nous faire. Est-ce que tous les jours nous pouvons faire ce que le Seigneur dit à nous faire? Est-ce que les soirs qu'on a dormi, nous remercions, bon Dieu, ce que l'Indien nous fait, nous peut faire? Ça nous reconnaît nous l'état. Ordonnez, Seigneur. Ordonne-moi dans mon foyer, dans mon travail, dans mon vie quotidienne. Ordonnez. Mon capable vivre ta parole, Seigneur. C'est merveilleux, ça. Quand il finit ordonner, ça qui est intéressant dedans. Sa bonne servitude là, c'était limite. Limite, Dieu dit à faire quelque chose avec limite. Remplis ça, six vases de là, jusqu'au bout, il y a une limite, elle est remplie, fini, à la case. Tout ce qui est bon, Dieu dit à nous faire, il y a une limite. Mais ce que Dieu fait pour nous, ça peut être la limite, ça. Parce que Dieu nous aime, mon frère. Mais au moins, quand on réfléchit ce matin, comment il est important, ordonner, Seigneur, au foyer, mon la vie, quotidien, tous les jours de ma vie, ordonner. Quand Dieu a donné, la chose arrive. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. En disant cela, il y a une présence qui peut manifester ce matin dans cette église. C'est la présence de Dieu. Saisis ce matin, frère. Saisis la présence du Seigneur. Ça peut faire nous énormément du bien. Et Jésus fit une demande Pierre pour éloigner un petit peu de terre. Qu'y faire? Jésus, il est roulé dans la barque de Pierre. Et il a un petit peu de terre, enfin tout le monde, sur les rivages, qui n'a pas trop au moins dans ton bateau, Pierre. Éloigne-toi. Quand nous éloignons-nous de ce monde, Jésus roulé dans nous la vie. Dans nous la vie. Ben, on a fait une trouve Jésus dans la barque de Pierre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas trouvé Dieu dans notre vie. Jésus de faire sa déclaration-là, mon pouvoir avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ton pouvoir avec moi pour l'éternité. Mais comment Dieu pour le monde peut trouver Jésus dans nous la vie? C'est par nos témoignages, par nos façons de faire, nos façons de vivre. Jésus dit à Saint, Paul dit à ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. C'est merveilleux ça. Donc en disant cela, mon corps, il connaît qui peut dire, parce que tu es content, Dieu trouve dans nous la vie, dans nos foyers, dans nos travails, dans nos projets, Dieu en toutes choses. Ça, c'est merveilleux. Ça nous fait du bien, ça. Mais pour Dieu te rouler avec nous, ordonnez, Seigneur, pour qu'après éloigne-moi les choses de ce monde, ici-bas, tout cas, trouve-toi dans mon vie tous les jours et mon capable trouver un jour avec toi pour l'éternité. Aujourd'hui, Dieu n'est pas une place dans l'équerre de l'homme. Un jour où Jésus fut né dans l'équerre, je te connais, pas tient la place pour lui. Pas une place pour Jésus dans l'hôtel. Jésus a le nez d'un équerri, il a accepté. L'équerri là, c'est mot la vie, c'est nous la vie. Ça. Sans ça, l'équerri, il fait nous du bien. Notre message, c'était un jour nous parlons là. Mais pas une place pour lui. Aujourd'hui, Dieu a une place dans l'équerri de l'homme aujourd'hui. La religion est à sa place.
La prière peut être dans sa place, mais Dieu peut être dans sa place, malheureusement. Si Dieu tient dans sa place dans nous la vie, ce qu'il m'a souhaité ce matin, ça fait nous énormément du bien, ça. La place de Dieu. Jésus a une place dans mon la vie, un jour, on prend une place dans son royaume, dans le ciel. Réfléchis ce matin, Seigneur, tu trouves ta place dans mon la vie, Seigneur, dans mon foyer, dans tout ce que m'a fait, Seigneur. Te prie, ça fait nous du bien. Nous sommes certains qu'un jour, nous quittons la terre, nous nous trouvons une place dans le royaume de Dieu. Amen. Et ça fait nous énormément du bien. Donc, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Quand Pierre finit l'oeil de ce monde, il finit de prendre la barque, il finit de mettre au milieu de la mer. Qu'est-ce que tu viens de faire? La bonne question est, bon, on révise la Bible, prend la maison, on révise. Comment Pierre et Loïli, connaît-ce que Jésus fait? Jésus sent-il à l'aise et assise dans le bateau là. Jésus m'était assise, à l'aise. Quand nous éloignons de ce monde, Dieu peut nous rouler à l'aise dans nous la vie, à l'aise dans nos foyers, à l'aise dans nos travail, à l'aise dans tout ce qu'il nous fait. Dieu sent-il à l'aise quand nous éloignons le monde de si bas. Mais quand nous vivons malheureusement la haine, l'amertume, la jalousie, la calomnie, j'ai embarrassé. Pas qui va faire tout. Mais c'est mal. Ça montre nous. Nous les trouvons Dieu à l'aise dans nous la vie. C'est merveilleux ça. Comment Pierre et Loïli, Jésus trouve à l'aise. Jésus assise. Assise dans la banque. Quand nous éloignons de ce monde, Jésus enseignait. Nous les gagnons l'enseignement du Seigneur. Extraordinaire ça. Il faut nous éloigner. Seigneur. Et notre fois, nous recevoir un grand enseignement éternel. Ce n'est pas mauvais. Hein? Grand enseignement, comment Jésus vient de la terre, comment, ce n'est pas mauvais. Mais premier enseignement que nous avons Seigneur, dans mon la case, enseignement que nous avons vivre. Dans mon madame, dans mon bon enfant, mon petit enfant. Enseignement, Seigneur. D'abord dans mon foyer. Comment nous avons vivre? Comment nous avons agir? Comment nous avons réagir? Ça, c'est merveilleux, ça. L'enseignement tellement simple, nous parlons de ça, l'enseignement là. Seigneur, enseignement dans mon travail. Travail difficile, Seigneur. Je comprends les uns les autres. Enseignement. Enseignement dans la société que je peux vivre, Seigneur. Pas facile. On dit une incompréhension. Donne-moi sagesse, intelligence, la patience. Enseignement, Seigneur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est merveilleux, frère. Nous roulons un grand enseignement, malheureusement, c'est nous qui perdons. L'enseignement que nous besoin, Seigneur, enseigne-moi. Comment besoin faire ta volonté? Moi, besoin d'être agréable à toi. Moi, besoin dans la douceur. Moi, besoin de donner la place des autres. Dis-moi, toi, te crois dans le Seigneur, enseigne-moi, Seigneur. Malheureusement, nous refusons pour vivre, c'est un petit enseignement, nous autres grands, grands enseignements. C'est nous qui perdons, Seigneur. Enseigne-moi chaque jour. Moi, besoin de marcher, moi, besoin d'agir, moi, besoin de réagir. Il y a tant de circonstances dans la vie, Seigneur. Enseignement. Jésus enseignait. Et ça va nous bénéficier, là. Ça fait nous énormément du bien. Quand Jésus finit enseigner, lisez la Bible. Quand il finit enseigner, quand je finis recevoir l'enseignement, là, Jésus dit avance. Frère, il faut que nous gagnions l'enseignement, l'amour, pour m'avancer dans l'amour. Il faut que nous gagnions l'enseignement, la parole de Dieu, pour avancer dans la foi. Faut des gens l'enseignement du pardon pour avancer dans le pardon. Faut des gens l'enseignement la parole de Dieu, la volonté de Dieu, pour m'avancer. Ou pas pour qu'avancer si vous ne recevez pas l'enseignement. C'est pour ça, malheureusement, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune amélioration. C'est nous qui perdons, c'est nous qui passons à côté. Aujourd'hui, malheureusement, je dis avec bien de tristesse, beaucoup de personnes n'ont pas qu'à vivre le pardon. Malheureusement, hein? Qui faire? Nous ne pouvons pas recevoir le pardon. Pour vivre le pardon, il faudrait nous recevoir ces pardons. La preuve dans la Bible, un jour, un homme qui doit se remettre beaucoup, beaucoup d'argent qui représente le Seigneur. Le maître, une fois appelé, il dit, garçon, tu dois moi beaucoup d'argent. Tu n'as pas qu'à rendre. Condition reste condition. Mon cousin, ton madame, tes enfants, etc., etc., pour récupérer mon argent. Mais tu devant sa responsabilité. Il dit, non, Seigneur. Pas faire ça. Au bout de toi. Finalement, c'est un diable tombé. Fais que moi, je disais, mets-toi à moi. Pardonne-toi, mon finir à toi. Retiens-toi.
cet homme, il y a bénéfice là. Il n'est plus droit, il ne recevra le pardon, mais il peut le recevoir. Mais les sortes de haut témoignages, la Bible écrit à ça. Vous n'êtes pas venu recevoir le pardon. Son camarade, tu dois aller sans au pied. Mets ta main sur la gauche. Tu te dois, moi, tu te dis moi. Puis la miséricorde, on met tout en prison. Le maître, comme tout qui se trouve, tout qui se fait appeler, il dit qu'arrive-toi. On pardonne-toi, tu as une grosse dette. Tu n'as pas qu'à pardonner ton procès. Mais pour nous pardonner, il faut nous recevoir. Seigneur, permets-moi pour recevoir le pardon. Ça permet-nous pour vivre le pardon. Seigneur, permets-moi pour vivre l'amour. Il faut nous recevoir cet amour. Ça permet-nous pour vivre l'amour, la patience, la douceur, la compréhension. Mais nous venons recevoir comment nous pouvons vivre. Pour nous recevoir l'éducation, moi, je peux lire, je peux écrire une lettre. Malheureusement, au moins un miracle de Dieu. Il est bon de nous réfléchir, nous la vie ce matin. Pour nous vivre, il faut nous recevoir. Quand Jésus finit d'enseigner, il dit avance. Est-ce qu'il nous peut avancer? Est-ce qu'il nous lève la tête, nous peut avancer dans le domaine spirituel? Est-ce qu'il nous peut progresser dans le domaine spirituel? Quand nous guettons la vie matérielle, Dieu nous bénit. Nous. On progresse, on tient une petite bicyclette, on gagne une motocyclette. On tient une motocyclette, on gagne l'auto. On tient une petite lacasse, on gagne une grande lacasse. On tient un enfant, on... Enfin, Dieu nous bénit nous matériellement. Très bien, c'est bien ça. Mais est-ce que Dieu peut bénir nous spirituel? Nous pas discuter, nous pas mettre nous devant le Seigneur. Il est vrai, merci, tu peux bénir moi matériellement, mais spirituellement. Pour la vie de prière, il augmentait. Mon compassion pour les autres, il augmentait. Le partage, il augmentait. La miséricorde, il augmentait. L'amour, il grandit dans mon équerre. Ne vous inquiétez pas, le progrès, les deux côtés. Parce que le bien matériel, c'est pour un temps, ça. Mais le bien spirituel, il bout toujours avec Dieu. Nous avons un souci au moins. Une crainte, Seigneur. Il n'est pas normal, mon béni matériellement. Mon content. Mon content, c'est pas une mauvaise question, pas une péché, ça. Mais Seigneur, moi, tu es content, tu bénis moi aussi spirituellement. Le progrès spirituel. Tu as l'air de dire tout à l'heure quelque chose. Nous tous nous souhaitons parler dans le ciel. Et tu peux avancer pour aller dans le ciel. Nous tous souhaitons le ciel. Quand les yeux fermés, frère, qui est pasteur, etc. Fais l'enterrement, frère. Parole pas comptée, là. Tout compter avant nous les yeux fermés, là. Est-ce qu'il nous souhaitait pour aller dans le ciel? Oui, mais est-ce qu'il nous veut avancer? On redit encore une fois, tu as l'air rayon fini, pas payer stacker pour rentrer dans la case. Nous tous bien sauter dans grand apôtre, là, bien avancer dans le tour, motoskate, marcher, bien avancer pour rentrer la case. Inormal. Tu as dit, on peut rester, on dit, tu restes là, tu as dit, on prend la case, là. Puis comment on prend la case? Bien avancer pour rentrer la case. Mais rappelle-toi, nous avons une autre case dans le ciel. Nous n'avons pas besoin d'avancer pour rentrer dans le ciel. Mais réfléchissons même ce matin. Si nous pouvons avancer, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, dans le sein d'Abraham. Donc, après avoir reçu l'enseignement du Seigneur, Jésus dit avance. Si nous recevons l'enseignement du Seigneur, ça permet de nous avancer. En toutes choses, matérielles et aussi spirituellement. Un jour, nous atteindrons le royaume de Dieu. Maintenant, pour la barque atteindre sa destination. Très sérieux là. Comment la barque finit atteindre sa destination? Très très important pour tout un chacun d'entre nous ce matin. La barque finit atteindre sa destination, Jésus peut diriger. Jésus peut diriger pour atteindre le ciel, là il aime le chemin. Jésus peut diriger ou que ça carré tout là. Ça n'a qu'à pas arrêter Dieu mon frère. Dieu peut diriger la vie. Jésus arrête l'amour. Jésus un jour peut aller, l'amour vient en face. Jésus arrête l'amour. Jésus donne la vie. Puis donc une puissance capable d'arrêter Dieu. Et bon Dieu, il est tout puissant. Lui. La mer rouge, quand il tire le peuple dans l'Égypte, la mer rouge redarrête le peuple de Dieu. Menti. Dieu lève sous la voix. Moïse, lève ton bâton, Moïse. La mer, il s'est ouvert en dé. La puissance de Dieu traversée. Mais il n'y a aucune puissance capable d'être quelqu'un qui peut être dirigé par Dieu. Il n'y a pas de puissance sur la terre. Mais nous, bon Dieu, dit tout puissant. Lui. Ça, Dieu l'a au milieu de nous ce matin. Est-ce que Goliath est capable d'être David? Goliath est une séance, ça. Tout le monde peut être Goliath. Est-ce qu'il est capable d'être David? Mais David, il est un Dieu, mon frère.
David a des enfants adolescents, mais c'est ça qui est en lit, plus grand que celui qui est né dans le monde. Et le Dieu de David, c'est notre Dieu, ça. Ça, Kabak est un enfant de Dieu. Une persécution dans la Bible. Tout le monde dit ça. Un enfant de Dieu persécuté. Mais Dieu dans l'arène. Et fait Dieu du mal, enfant de Dieu. Je tout en sourire, je tout en santé. Je ne connais ni l'amour, ni la persécution, pour qu'arrête Dieu ça. Jésus peut diriger vers le royaume de Dieu. Nous aussi, pareil, quand Jésus dirige nous la vie, malheureusement, l'amour est pour venir. Mais l'amour n'a pas fait nous dire qu'un Père. C'est lui qui est dans Jésus et dans la vie éternelle. Nous diriger vers le royaume de Dieu. Donc, très important, Jésus dirige nous. Quand on arrive dans le lieu que le bizet manifesté, écoute bien, on termine l'Olympe ce matin. Jésus dit à Pierre maintenant, zette-toi Philippe pour la paix, Pierre. Une indication, ça. Nous, on peut dire aussi, une épreuve pour Pierre, guetter ce pas de recevoir la parole de Dieu, là. Quand nous recevons la parole de Dieu, il produit la foi. Exactement. Maintenant, Jésus dit à Pierre, zette-toi Philippe. Jésus ne dit pas là, il dit à Pierre, zette-toi Philippe pour la paix, zette-toi Philippe pour la paix. Pierre dit, Seigneur, une nuit pour la paix là, un petit peu son vingain. Et puisque tu as ordonné, Seigneur, vous êtes mon filet, l'auto l'ordonnance, Seigneur. Nous aussi pareil, il y a beaucoup qui se font nous gagner, Père. Moi qui connais qui peut passer à sa maladie là, moi qui connais qui peut passer à sa problème là, moi qui connais qui peut passer à mes enfants, avec nos familles. Nous apprécions ça qui nous connaît, non, mais tout des côtés. Pas ça qui nous connaît qui est dans la vallée, ça qui doit te dire qui est dans la vallée, Seigneur. Vous êtes mon filet, l'auto parole, Seigneur. Pas qu'on écoute mes poissons. Pas qu'on écoute mes poissons, nous aussi pareil, frère. Ordonnez, Seigneur, mon foyer, mon travail, mon la vie, l'église, ton peuple. Ordonnez, Seigneur. Et il est là toute chose qui est arrivée. Nous glorifions Dieu. Dieu qui nous a donné pour nous ça. Pas moi, ça. Moi, non, moi, misérable la poussière. Dieu qui nous a donné. Et quand Pierre finit béni, qu'il finit faire. Nous terminons là, excuse-moi. Ça, c'est l'extraordinaire. Pour moi, il est extraordinaire. Moi, j'apprends beaucoup de choses avec Simon Pierre, là. Tout le monde joyeux, un grand miracle. Tout le monde dans la paix, la joie, content, puis sent la louange de Dieu. Pierre a ses éclairés. Jésus dit, Pierre, qu'est-ce que tu gagnes, toi? Dieu, Seigneur, retire-toi dans mon bateau, mon la vie, patine, Seigneur. C'est comme ça quand Dieu bénit nous. Quand Dieu manifeste dans nous la vie, nous grâces et nous plairait. Seigneur, quand manifeste dans la vie, mon frère, mon soeur, pas mon la vie. Mon la vie pas digne pour recevoir toi ce matin. Pitié de moi. Dieu manifeste, il plie bien en colère. Là. Mais Dieu, la gloire pas pour nous. Pierre dit, Seigneur, Jésus dit à Pierre, pardon, maintenant tu arrêtes la pêche poisson. Devine un pisseur d'homme maintenant. Dieu bénit les plis. Parce qu'il n'y a pas une glorifiée bénédiction, il glorifie Dieu dans son avis. Et ça, Dieu l'a lui au milieu de nous ce matin. Est-ce qu'il nous croit Dieu pour bénir nous ce matin? Il y a quelque chose qui peut passer dans nous la vie là? Il y a des choses merveilleuses qui peuvent passer ce matin. Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons Dieu pour sa parole, s'il vous plaît. Louez-toi, Seigneur, nous rends-toi grâce. Donne-toi gloire, Seigneur.